Bonjour, je m'appelle Brice et je suis un jeune entrepreneur de la diaspora congolaise ici en France. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'entreprise que nous avons créée pendant la période Covid. Donc, cela fait aujourd'hui 3 ans. Donc, pourquoi je vous parlais de cette entreprise et pourquoi nous l'avons créée? Bon, il faut savoir aussi qu'à la sortie des quelques offres, on va dire, j'ai eu la chance de faire des études en communication et j'ai obtenu à la fin un BTS en réseau télécom. Donc j'ai dit, bon, pourquoi travailler pour d'autres personnes? Pourquoi pas essayer de travailler à son nom propre? D'où m'est venue l'idée de créer une entreprise. Et la malchance, c'est quand on a eu les fonds et quand on a fait tout ce qu'il fallait, business plan et autres, et études de marché, c'était la période Covid. On ne pouvait plus reculer puisqu'on nous avait déjà à disposition des fonds. Bon, pour ne pas aller chez Berluti ou chez Arcueil ou chez je ne sais où, on avait dit ok, on va se lancer. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette entreprise. 3 ans passés et aujourd'hui, voilà ce qui est devenu l'entreprise qu'on a créée il y a de cela 3 ans. C'est une entreprise, c'est pas Elf, hein, c'est pas, je sais pas, EDF, c'est une petite entreprise. Et ce que l'on appelle communément le cybercafé, c'est un espace intranet où nous faisons des services, principalement de l'impression, des scans et autres. C'est pour ça que vous voyez ici des 4 grosses machines. C'est des Canon, hein, c'est du costaud. C'est des Canon 532i. Et voilà, et celui-là, c'est le 523-53i. Donc c'est celui-là qui nous permet de travailler. Et derrière ces appareils, nous avons adjoint l'espace de travail. Hein, c'est le café, il y a des ordinateurs. Donc, par exemple, le monsieur qui vous allez voir tout à l'heure, il est venu travailler. Il travaille ici, lui, en continu, parce que c'est un correspondant, il a des correspondants en Asie. Et ça lui permet de travailler tranquillement. C'est le monsieur que vous allez voir tout à l'heure. Donc, ensuite, comme les gens viennent souvent, assez souvent, et il y a de l'attente, qu'est-ce que ça fait? On a fait des boissons à disposition. C'est pour que, pendant qu'ils attendent, qu'ils peuvent consommer du boisson, ça nous fait une recette en plus. Et après ça, on a mis aussi une petite machine à café. L'appareil que vous allez voir ici, ça s'appelle un casier Alibaba, ici là. C'est au lieu que en fait, les gens, ils ont d'autres personnes ont fait des points relais. Moi, vu que je travaille derrière et que j'ai pas le temps de remettre des colis aux clients, j'ai opté pour le principe casier Alibaba. C'est-à-dire que le facteur, il vient, il met ses colis dans le casier et les clients, ils viennent avec un code que Alibaba leur envoie. Ils vont juste taper le code, tac, tac, tac. Et vont récupérer le colis. Ça me permet de ne pas sortir de là où je suis et pour me donner un colis. Donc c'est un petit peu ça. Mais tout ça est piloté via les bureaux qui sont derrière, hein, où il y a les ordinateurs, parce qu'on ne fait pas que ça ici. On fait des transferts des fonds. On est Grand-Brière, Western Union. On fait transfert des crédits et autres, et recharge téléphonique, tout ça, tout ce que fait un cybercafé. Donc c'est pour ça que vous allez voir. Derrière, il y a plein d'ordinateurs. Chaque ordinateur a sa fonction aussi. Monogram, RIA, Western Union. Et un TPE pour ceux qui veulent payer. Parce que, comme vous savez, les gens, ils payent plus en carte bleue qu'en espèces. Donc voilà le TPE. Et je ne sais pas quoi vous. Et ensuite, nous avons tous les babios, tous les petits trucs que nous vendons, les cartes téléphoniques, et autres, tout ça pour compléter la recette. Le bureau, je vais vous présenter, en fait, je vais vous faire la présentation du bureau qui pilote tout ce que vous avez dans la salle. Donc ici, vous avez un compteur de billets qui fait office aussi de détecteur de billets, hein, bien infrarouge plutôt. Et ici, vous avez, comme généralement, on fait des transferts d'argent via Western Union et tout ça. Donc je vais vous présenter tous ces postes-là. Donc on va commencer par celui-là. Celui-là, c'est celui-là qui fait, en principe, il fait du Moneygram. Bon, regarde, je me trompe un petit peu, c'est celui-là. Donc c'est ça qui permet de faire les transferts d'argent via RIA, c'est celui-là. Et ici vous avez celui-là qui fait, parce qu'on a séparé les postes, hein, qui fait du Moneygram. Qui fait du Moneygram. Et il fait pas que le Moneygram, il fait aussi ce qu'on appelle des transferts de crédit. Donc via des numéros de téléphone, nous envoie les crédits dans toutes les destinations. Donc c'est celui-là qui le fait. Donc par exemple ici vous avez, attendez, recharge de crédit. Il suffit de mettre un numéro de téléphone ici, on envoie le crédit peu importe où. Ici, on a la carte grise parce que nous faisons aussi la carte grise, c'est celle-là ici. Et nous faisons aussi de la banque, donc comme vous voyez ici. Donc, c'est les transferts PCS et tout ça, Transcash. Et il y a la billetterie aussi ben, pour les cancers et autres. Donc, là, on a Flexibus, Blablacar et tout ça. Et on a aussi l'assurance, c'est un service qu'on attaque dans l'année qui n'est pas encore là actuellement.
Donc il y a ça. Et ensuite, nous avons installé pour protéger tout ça un système de caméra anti-queue. Bon, c'est un système de caméra, infrarouge et tout ça, pour surveiller vu qu'on manie un petit peu les fonds ici et voilà, pour ne pas avoir des doutes. Et ici nous avons cette machine qui permet de délivrer les tickets des cartes de recharge. Et ensuite, voilà, comme vous voyez, ça c'est juste pour s'amuser pour, quand on travaille, parce qu'il y a des choses qui stressent un petit peu, donc on a plutôt un petit peu de la musique. On prend un petit peu de la musique pour voilà, égayer les journées. Ensuite, nous avons ici ce que je ne vous ai pas présenté, celui-là. C'est celui qui fait un 2-6-7. Et celui-là, parce que nous avons. Celui-là, c'est ça. Ok. C'est celui-là. Qui est pour le moment stand-by qu'on va reprendre peut-être le mois prochain. Donc, c'est un petit peu ça. Et bon, le reste, c'est que les ordinateurs. Donc, c'est un petit peu l'ensemble de tout ce que nous faisons ici. Et il n'y a pas que ça. Nous avons aussi l'impression des mails et tout ça via WhatsApp, tout ce qui fait un cybercafé. Et puis, en parallèle, nous avons des petites pièces qu'on vend ici, des recharges téléphoniques, plutôt des cordes de téléphone, des câbles téléphoniques, entre autres. Donc, pour le moment, je vais m'arrêter là. Après cela, on avait adjoint un projet annexe qui est derrière, mais on va vous le présenter tout à l'heure parce que le coiffeur n'est pas encore prêt. C'est celui-là, on va faire la présentation. Vu qu'on avait un grand espace, on a essayé d'utiliser cet espace. Donc on a créé un petit coin de salon coiffeur sur rendez-vous. C'est celui-là, le coiffeur il est en train de manger. Et derrière, il va revenir, on fera la présentation de cet espace. Merci.